Mes amis, bonjour à tous et à tous les amis, c'est Paradox, et on se retrouve pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Lego, les indestructibles. Et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel, on est parti pour ce tout nouveau let's play Lego. J'espère que vous allez bien. Ah là là, ça va être génial. On va pouvoir démarrer tout de suite ce let's play. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux Lego, bien évidemment, ça retrace l'histoire des deux films Les Indestructibles. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, je ne vais pas plus spoil. Bien évidemment, ce sera 100%. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite. On va retrouver toute la famille, à savoir Violette, Flèche, Jack-Jack, Monsieur Indestructible et Madame Indestructible. C'est parti, on démarre tout de suite. Disons vendredi. Vendredi. Je déclare la guerre à la paix et au bonheur! On va le perdre! Fais trampoline! Tony! Salut! C'est pas du tout ce que tu crois. S'est échappé. On doit l'arrêter avant qu'il n'arrive jusqu'au pont. Donc voilà, l'humour Lego, ça retrace quand même bien l'histoire. Donc c'est parti. On déclare la guerre à la surface. Pour ne peut nous arrêter. Vous auriez tous le tout premier niveau. Ok. Graphiquement, c'est beau. Donc voilà, il y a un système de combo. Ok, donc là on change les persos. Oh, ok. Ouf. Voilà, et hop, ça dégage. Ok, donc voilà. Est-ce qu'il se multiplie ? Non, non, il se multiplie pas. Et voilà. Ok, donc on a les attaques. Une attaque plaquée. Comme ça. Ok, donc Monsieur Indestructible peut faire, ok. Tu te tais. Ok. Ok. Bon. Ah! On peut faire ça, ok? Oh! On les a reçus. Allez, on continue! Ok. Intéressant.
ce truc-là, Bob. Il conduit encore plus mal que toi. Personne. On essaie de l'arrêter. On doit arrêter cette route. Tu peux la geler sur place. Donc voilà, donc on est avec Frozen. Donc Frozen, c'est un mec qui contrôle la glace. Alors, du coup, hop, on vise, on attaque. Donc pour le moment, on est encore sur le tuto. C'est parti! Ok. C'est mieux. Suivez-moi. Ensuite, il va falloir qu'on casse avec Monsieur Indestructible. Comment? Juste comme ça? Ah non. Comme ça. Ah, ou alors comme ça, je pense. Non. Quoi est-ce qu'il me dit? Je sais pas. Bref. Ah si, voilà, comme ça. Il n'y a aucun bouton. Arrête, dans le coin. Alors on continue d'avancer. Ah, mon dieu. Les gars sont vraiment mauvais. Mon dieu. Donc voilà, donc ce sera un 100%. C'est pas... Enfin, il est pas comme Lego Ninjago. Il est... au format un peu plus à l'ancienne, celui-là. Bien qu'il y a quelques petites différences avec les autres, on verra. Mais il ressemble un peu plus aux anciens Lego. J'adore leur costume. Regarde, un conduit. Il doit y avoir quelque chose d'utile. Bonne idée. J'essaie de trouver les commandes. Oh, voilà, un premier mini-kit, je suis coincé. Ok. Bon, un premier mini-kit. Ok. Et ici. Un second, non? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse avec ça? Je ne sais pas. Si je me mets sous ce conduit, je pourrais entrer et trouver un moyen d'arrêter ça. Ok, bon, on va faire ça. Oh! Ok, donc voilà une petite particularité de ce jeu. C'est qu'on peut passer en mode élastique. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais. C'est qu'on peut, voilà, utiliser le pouvoir des Elastic Girl pour se faufiler dans les conduits. Ok, il y a un cochon en plus. Ok, on active. Donc, ok, donc là on a un système de multi-construction. Non, même pas. Même pas, on a juste à maintenir appuyé. C'est même pas les multi-constructions. Donc ici du coup, hop. Vas-y, Bob, lance-moi. Oh, ok, on transforme... Donc ça c'est un emplacement pour transformer Madame Indestructible. Bon, par contre, je tiens à vous dire, vive les droits d'auteur. Sur ce, s'il vous plaît. Ces gens? Bon, je vais attendre ici, mais vous allez devoir travailler ensemble. Ouais, tu l'as eu, papa! Alors, vous allez découvrir là les deux nouveaux personnages de la famille, à savoir Violette et Flèche. Flèche qui court vite. Et Violette qui peut faire une bulle. Et qui peut, je pense, également devenir invisible. Oh! Attendez, quoi?
Ok, donc si je fais... Ah, ok, donc là, il devient invisible. Et là, ok. Oh! Ok, je peux faire comme ça. Mais à mon avis, c'est plus intéressant de mettre flèche dedans. Ok. Du coup... Micro. Violette, tu dois utiliser ton champ de force pour vous protéger, toi et ton frère. Ok, donc on crée un champ de force. On prend flèche. On le met dedans. Vert, ça sent comme dans ta chambre. Et ben toi aussi. Non, attends. Ça suffit, les enfants. Ok. Donc là, ok, on appuie. C'est parti. Ok, donc ça, c'est pour les persos rapides. Ok. Merci, jeune homme. Et il faut qu'on le sauve quoi. On a mis une petite là-haut, on l'a vu. Oh, ça brille. Il faut plus de briques pour construire quelque chose. C'est pas mini-kit. Sauvons le reste de la ville avant. C'est pas mini-kit. Ouais, on s'en a plus. T'es sûr que ça va, Bob? Oui, ça va. Merci. Concentre-toi sur le sauvetage. Ces meubles sont sympas. Je parie que... Ah non, ça c'est pour Violette. Pour créer quelque chose et sauver le chauffeur. Ce ne sera pas aussi cool que ce que je viens de faire. Ah ouais, ok, donc les briques comme ça, c'est pour Violette. Ok. Mais tombez. On vous tient. C'est la dernière fois que je livre dans un autre état. Merci de m'avoir sauvé. J'ai cru que j'étais perdu. On dirait les documents de... Lego Marvel... de Lego, la grande aventure. Comment ça m'a gassé. Et en plus, ils salissent mon super costume. Mange. Voilà. Ok, ensuite. Attention à la voiture. Cool. Je vais essayer. Lâche cette fenêtre. Oh oh. On va le libérer. Tac, on récupère quelques pièces avant. Bon, les 100% pièces, on les fera en 100%. Vous en avez l'habitude maintenant avec les jeux Lego. Et donc du coup on a la dernière pièce de construction à faire. Merci. Je vous admire depuis des années. C'est parti. Content de vous avoir aidé. Mettez-vous à l'abri. Papa, on en a une autre. Bravo tout le monde. Ok, on a encore du fight. Je vais bien. Il traverse. Je m'en charge. Ok, donc on a perdu Frozone et on a gagné Monsieur Indestructible. Trouver la salle des commandes. On y est presque. Il nous en faut encore une avant de commencer. Oh, oui, mais on ne peut pas monter jusque là. Donc tu vas devoir lancer l'un de nous deux. Dégage. Non mais oh. Tac. Ok, et donc on... Ok, on peut lancer comme ça les autres personnages. Et donc on a lancé Violette, ok. Bien, c'est la dernière. On est prêt. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Oh, une magnifique pièce violette. Ça, c'est intéressant. Ok, on peut descendre. Et on peut aller là pour faire une... quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc, c'est parti. On appuie sur B. On engage. Ok, en fin de compte, il faut le faire avec tout le monde, j'ai l'impression. Non ? Moi aussi. Ok. C'est pas compliqué. Et ça crée, ok. Trop bien. Du bric
bricolage. Ça vous dit, les enfants? T'es sûr que tu peux y arriver, papa? Tu te rappelles quand t'as essayé de monter le barbecue? Non! Je vais t'en récupérer. Bon, j'ai pas pu tout récupérer, mais bon. L'autre, j'ai essayé de kiffer des bêtises. Non. Monsieur indestructible, je veux. C'est parti! Ouh, allez, on bourrine! Je vais l'attraper. Restez derrière moi. Bravo, papa! C'est trop cool! Et on le coupe en deux! C'est pas fini! On est là, maman! Venez, la salle des machines est par là! Que non, qu'en fait, rien qu'à courir, lui casse tout. Alors. Ok. Elastic Girl. Ok. Ok. On peut la dépasser comme ça, d'accord. Ah, et donc du coup, avec les deux, on va pouvoir lui grimper dessus. Ok. Super. Mais. Voilà. Wow, ça a lagué là. Petite super attaque. C'est parti. Tac, une petite... Oh non, la pièce bleue qui est pas passée au x3. Je suis deg. C'est pas grave. De toute façon, le 100% pièce, encore une fois, on s'en fiche. Pour le moment, on reviendra en mode 100%. Arrête de mettre du charbon ou le moteur va surchauffer. Tu crois que ça fout dans le sabre? En fait, le charbon est fait de végétaux. Arrête de me faire apprendre des trucs. Hé, hey, si on faisait surchauffer le moteur? Ok. Il faut trouver un peu plus de charbon, ça peut servir. C'est pas comme s'il a littéralement donné la solution. Hé, hey, faites surtout pas ça, ce serait dommage. Oh, oh là là. Oh là là. Tac. Ok, donc là il fait trop noir, donc on peut pas passer. Il nous faudra sans doute un personnage qui peut faire de la lumière. Qui, je ne sais pas. Mais on en aura sûrement. Du coup, comme d'hab, il doit y avoir à peu près 15 niveaux. Pas du tout ce que je voulais, moi je vais garder flèche. Voilà. Tac. Ok, on prend maman. On appuie sur B. On appuie à fond sur B. Et on casse tout. Surtout on casse tout. D'ailleurs oui. Ok, un mini-kit. Pour ceux qui n'ont pas compris, enfin, pour ceux qui
qui le savent pas, je fais ce let's play parce que Lego Star Wars la saga complète, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, a été repoussé en fait. Il sort milieu 2021, je crois. Ce chariot dans l'ascenseur. Donc faites bon. Attention, les machines ont l'air dangereuses. Donc bon, du coup, on a le temps d'en faire un avant. Donc bon. C'est l'écho des industries qu'on va faire. Bien, fait fonctionner cet ascenseur. Bien qu'il y en a certains qui sont sympas, enfin il y en a un autre que j'aimerais bien faire, qui a l'air vraiment super sympa. C'est Lego DC Super Villains, qui a l'air vraiment super sympa avec le fait de pouvoir créer son personnage. Ah non, il faut flèche, ok. Oh, il faut flèche avec. Tac. C'est parti. Non, par là. Je peux envoyer l'un de vous sur ce rail, là-haut. Ok. Envoie la Sticky Girl. Tac. Ok. Fais surchauffer le moteur en mettant du charbon. Oh ouais, c'est ce qu'on va faire. Tac. Oh, un nouveau mini-kit. Ok. Bon, les mini-kits dans... Je pense notamment à Lego Marvel Avengers où je voulais pas les récupérer. Là, tant pis. Enfin, ceux qu'on récupère, on les récupère. D'avance, je connais une partie du jeu. J'ai regardé quelques let's play, donc je connais. Enfin, je connais une partie du jeu, mais jamais regardé un let's play complet du jeu. Ça, on peut pas pousser ici. Ok. On attend. C'est tout bon. Ça chauffe. Allez, marche. On n'a plus le temps. On doit supprimer le liquide de refroidissement. Ça fera exploser le moteur. Oula. Wow, 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 wow. On se calme. Tac, on va prendre le... Ouais. Tac. Laisse-moi faire. Ensuite, tu pourras atteindre le réservoir. Hop, flèche. Docteur, monsieur indestructible, pardon. Oh, allez. C'est parti. Ok, bah maman. Ah, on a le brique doré du 100% pièce, ok. Tac. Parfait. Salut. Salut tout le monde. Ça va vite, la chaudière. Tu es le seul qui soit assez fort. Sortez des DC, tout va exploser. On a plus le temps. On a réussi. Oh,
Papa, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Avec un enfant et mon masque. Plus un geste, les super. Oh, mais pourquoi? Ok, donc on a fini la première mission. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, que cet épisode vous aura plu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le masque de Violette? On le découvrira plus tard. Pourquoi est-ce qu'on est chassé? On le découvrira également plus tard. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bombardez le compteur de likes pour ce premier épisode. Je sais que c'est du Lego, ça plaît pas forcément à tout le monde. Moi, ça me plaît. Merci à tous. C'était Para. Bye tout le monde. Allez, salut tout le monde. Bye. C'est plutôt mal passé. On a fait quelque chose de mal. Les super-héros sont interdits. Que ce soit injuste ou pas, c'est la loi. Vous avez peut-être envie de changer la loi ? J'adore les super-héros. Winston Devore, vous pouvez m'appeler Win. Et voici ma sœur, Evelyn. Bonjour les super-héros. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous a-t-on poussé à vivre dans l'ombre? Par ignorance. L'image. Si on veut changer l'image que les gens ont des super-héros, on a besoin que vous diffusiez votre point de vue. Et comment faire? On a besoin que vous diffusiez votre point de vue. On installe de petites caméras dans vos super costumes. C'est moi qui les ai conçus. Tout ce qu'il nous faut, c'est les plus super des super-héros. Vous trois. Aidez-moi à rendre les super-héros Lego. Ça a l'air génial. Monsieur Devore, merci, mais c'est beaucoup trop généreux. Non, c'est le moins qu'on puisse faire. Ça, c'est notre nouvelle maison. Cet endroit est incroyable. Je n'en reviens pas que Devore nous le prête. Oui, il l'a acheté à un milliardaire excentrique. C'est mieux que le motel. On aura tous un peu plus d'espace et une cascade. On a beaucoup plus d'espace, papa. C'est énorme, j'adore. On peut la garder? On va tous se détendre et s'installer confortablement.